Pakistan est sec, Mike est sec. Mais que est la laïa? Est la laïa quoi? Oh, si. Ah ouais. Oh. Eh ben la laïa. Attends, c'est putinette. Est-ce le camin entre Fourcauki et Atte qu'avait retrouvé Kauki Sossi de l'association Amis des Camins de Compostelle et des Roms qui compte mai des 50 personnes? C'est dit qu'une camine appartient à un dégu, l'Eva, à laquelle qui sont à Yekamina. Ah, c'est pour monter la... d'un côté ou de l'autre. Hein. Il y a quasi 20 ans que les anciens de l'association ont repris le camin de la Via Domitiana pour faire le camin d'un cueil de Perana, d'un côté à Compostelle et de l'autre côté à Rome. Oui, mais là, il faut couper ça, je pense. On est bien d'accord. Allez, Mimi. L'association entretient le camin. Et puis là, tu finis au sécateur. L'autre est le camin qui vient de Mont Genèvre et qui va jusqu'à Arles. Un grand sujet de l'association est d'accueillir les Roumains qui passent à Peraki. Il faut vérifier, tourner à droite. Les pèlerins prennent le camin sur différents itinéraires qui sont basés sur les axes et les anciennes villes roumaines, souvent marquées de art comme grandes randonnades. Le terminal. Plus large. Oui, un peu plus large. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Sendraya, sur les camins de San Jaume et de vers Compostelle, ou des Roms de vers le Vatican, est venue une chauzide pour maintenir les personnes d'espèce la Gemedja. Venant des Roms et allant à Saint-Jacques, ou allant de Saint-Jacques, allant à Rome. Elle est un exercice de pénitence d'abord. Elle est un exercice physique quasiment sportif. Elle est d'abord un exercice sacré, un exercice de pénitence. Il y a qui vont faire un petit troc cada, il y a d'autres qui vont faire d'un coup. Il faut 2 mois et demi pour aller jusqu'à Compostelle. Ici, c'est dans l'église de Notre-Dame de Rialto. Alors là, c'est l'autel reliquaire, c'est particulier. Hein, on voit qu'il y a la figuration des deux saints. Et les deux statues de Saint-Jacques et de Saint-Martin. Et la première des caves sont convaincues de Saint-Martin. Et on est veille que Saint-Martin n'a pas le manteau, mais a mis un espace pour le partager, a mis le Paul à un bastion de Saint-Jacques, un bastion pour faire le pèlerinage. Donc les pèlerins, lorsqu'ils passaient à l'époque du 12e, 13e siècle, ces trous dans l'autel leur permettaient d'aller toucher les reliques des saints. Ah, Perana toca les reliques. C'était la particularité des lieux et c'est vrai. Effectivement, c'est un caractère assez exceptionnel. À quelle étape entre Fourcauki et ses restes passe au plein cœur de l'emblématique priorat des Carlus, monté les pèlerins, s'assoustavent à la Gemedja. Elles ont accueilli, il y avait la table, il y avait le lit, ça n'est pas qu'un lit, mais enfin, ils pouvaient dormir tranquille, serein. Et ben se posa pour reprendre la route le lendemain ou 12 ou 13 jours après faire Beléo, une prière, Beléo. Et mais le camin a gagné force changea à despier les seigles, des causes restent pariées par les pèlerins, comme l'idée des rescontres ou encore la fameuse crédentiale. Avec une crédentiale qui a chaque jour la faut faire tempuna pour. Pour arriver à Saint-Jacques et la présentant et nous donnant la Compostelle
caisse, le diplôme de laquelle qui en fait tout le chemin. Kessiegué per des raisons historiques, religieuses, spirituelles ou sportives, c'est par le souvenir d'une invège des parties, Simpuske se l'expliqua. D'une y partons per trouba déco des réponses en camille, et d'autres y tornons à mes l'invège des continua, encar et toujours à camina.